je pense c'est que les dirigeants du CFA ils sont beaucoup plus exigeants avec nous par rapport à notre tenue vestimentaire, nos façons d'apprendre dans les cours, mais ils sont moins exigeants envers la tenue du CFA, des bâtiments, des locaux, des entretiens sur les voitures. Le bâtiment, il reste, il vieillit, et on se retrouve avec du matériel délabré, et ce qui nous complique un peu la vie, surtout quand on est dans nos heures d'atelier. Je suis sûr que les bâtiments sont vieux, et les gardes dehors, c'est officiel partout. Les deux plus gros problèmes sont la tenue vestimentaire qui nous oblige à mettre un jean pour la bien-vue des patrons et des donateurs. Et le second problème, c'est les épaves qui nous prennent de la place sur le parking. Et du coup, on est obligé de se garer sur des places handicapées. Avec le café, des fois, il est un peu long, mais... C'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Attends, laisse-moi préparer dans les trucs. Là, ça filme, je vois qu'il y a le petit truc rouge, alors je vais le redire. Est-ce que les profs, on est tous parfaitement exemplaires quand on est en salle des profs avec le masque? J'aimerais dire oui.